Bonjour à toutes et à tous, c'est Agulis 4 et on se retrouve pour une petite vidéo pour faire un top 5 des secrets d'Épicube. Donc là, nous allons faire le top 5, voilà, des secrets d'Épicube. Donc le cinquième est, donc vous dirigez vers le jump bonus, on va dire. Vous descendez de l'arbre. Vous descendez tout en bas. Quand vous arrivez dans la salle d'accueil, on va dire ça, vous allez dans l'Epic Bank, parce que là-bas c'est la banque, ici, Epic Bank. Ensuite, vous tournez à droite, donc ici vous êtes dans une sorte de petit salon, mais attention ici, ce panneau renferme un jacuzzi, et oui, donc vous êtes dans un jacuzzi accompagné de ce bonhomme, on va dire, de cette jolie madame. Bah, je vais rester avec la madame, pas avec le bonhomme. Donc, alors, on se retrouve pour le top 4 des secrets d'Épicure. Et donc, re les amis, donc on se retrouve pour le top 4 des secrets d'Épicure. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas aller vers ce jump bonus, on va dire. Vous allez à l'opposé, près du grand magnifique phénix. Ah, voilà. Vous redescendez encore une fois. Pour atterrir dans encore la sorte d'accueil du tribunal, vous tournez à droite. Donc voilà, vous rentrez dans ce beau tribunal. Moi j'aime bien, je trouve ça un peu stylé. Et cette fois-ci, vous rentrez dans ce tableau où vous tombez dans le laboratoire d'Échanglion qui permet de trouver l'antidote des cheaters. Hein, voilà, donc c'était pour la petite histoire. Et donc on se retrouve pour le top 3 des secrets d'Épicube. Allez, à toutes. Et donc voilà, re les amis, pour ce top 3 des secrets d'Épicube. Donc là, cette fois-ci, il va falloir que vous alliez, pas, oui, je sais pas si ça se dit, mais bon, on va dire ça, que vous alliez jusqu'au jump de Dieu. Et puis, je vous laisse avec cette petite musique suivre ce parcours. Donc tout d'abord, il faudra prendre, enfin, pas obliger ce petit jump. Donc je me suis totalement fail, donc il va falloir que je remonte la montagne. Sinon vous n'êtes pas obligé, du moment que vous arrivez à un endroit bien précis, qui est ici. Donc vous continuez tout droit et suivez le chemin. Donc après avoir suivi ce beau chemin, vous arrivez normalement à cet endroit, une sorte de cascade. Vous descendez et là, une petite trappe. Vous devez aller dedans. Et attention, mesdames et messieurs, pour le top 3. Et oui, la Love Room. Quelle belle Love Room, moi je trouve. Hein. Donc j'espère que ce top 3 vous aura plu. Et on se retrouve vite pour un top 2. Let's go! Et donc, relazimi, on se retrouve pour le top 2 des secrets d'Épicube. Donc, cette fois-ci, c'est encore un petit parcours. Vous allez devoir aller à l'opposé de ce petit jump. Et je vous laisserai, après les 2-3 petits conseils, à faire le parcours avec une petite musique. Allez, let's go! Excusez-moi pour ces petits fails. Donc là, vous tournez à gauche. À cette sorte de petite cabane que moi je trouve très belle avec une vue splendide. Donc vous rentrez dans cette petite cabane. Ici vous arrivez et oh, un trou. Vous tombez dedans et mesdames et messieurs,
Lequel faut-il prendre? Celui-là, oui! Et donc vous arrivez dans une sorte de petit salon, où vous voyez tous les créateurs du hub, tous les vraiment leur on se retrouve pour un top 1 des secrets d'Epicum. Let's go! Et re les amis, donc nous nous retrouvons pour la dernière partie de ce top 5 des secrets d'Epicube. Et là, nous entamons le number 1 des secrets d'Epicube. C'est pas vraiment un secret, donc on doit encore aller au dôme des dieux. C'est pas vraiment un secret, c'est plutôt une petite partie assez fun. Donc tout d'abord, vous prenez ce sorte de petit rond qui va vous booster jusqu'à ce petit bateau, enfin petit, il est quand même beau et grand. Donc là, vous allez retrouver un invité de choix, le grand et magnifique Frigiel. Donc voilà, c'est un peu fun, moi je trouve. Donc ce que j'ai déjà fait une fois, c'est un petit screenshot, voilà, comme ça. Vous faites un petit screenshot pour montrer à vos amis Minecraftiens, pour leur dire, ah, oh, j'ai vu Frigiel, enfin, voilà, et donc voilà, je trouvais ça un peu fun, et c'est pour ça que j'ai mis en number one. Donc, on se retrouve pour d'autres vidéos de plus en plus fun. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Allez, à toutes!